2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Et salut à tous, à toutes, c'est GG, bienvenue sur Geek City, on se retrouve pour un nouvel épisode du Let's Play. Ah, je vais voir si on peut vous montrer ou pas. Non, ça sert à rien. Du Let's Play de Assassin's Creed Révélation Ezio. On est au 19ème épisode. Alors, je tiens à préciser juste que si vous me voyez dans la pénombre, c'est normal. J'ai décidé de pas allumer, de plus allumer la lumière. Parce que là, on est en plein été. Il fait une chaleur insoutenable, surtout le soir aussi. Et donc, du coup, je me suis dit que voilà, pendant les temps de live, je n'aimerais plus ma lumière. Après, pendant les autres temps, je serai obligé, je vois ce que je fais. Mais là, pour jouer, voilà, tapez, vous me verrez dans la pénombre, c'est pas grave. Mais ce sera comme ça, dorénavant. Voilà, jusqu'à ce que l'été soit terminé. Bon, du coup, on est parti pour 2 heures de live. Enfin, 2 heures, 2 épisodes de 50 minutes à peu près de live. Et du coup, on va essayer d'avancer le plus possible dans le scénario, tout en, bien sûr, en débloquant les échoppes qui nous restent encore à débloquer. Alors attends, la quête principale elle est là-bas. Donc on va aller, je sais pas où, on va aller. D'abord, on va faire d'abord lui, on va faire ce point là, déjà, c'est ce point ici à faire. Il y a ça à faire, donc on va faire ce point. Déjà, on va essayer de voir. Du coup, je vais aller par là. Donc, on va aller voir le médecin. En même temps, on va faire le citoyen. Qui est juste à côté. J'ai pas d'assassin qui est revenu encore, donc ils sont toujours en train de faire leur quête. Donc, j'aurai pas de nouvelle rentrée d'argent, malheureusement. Tant pis, ce sera comme ça. Poussez-vous. Attends, du coup, est-ce que là... Examiner. Et c'est la deuxième personne qui vient de rejoindre le live. Vas-y, installe-toi, profite-en. Fais-toi plaisir. Ah, attends. Il est où, lui, qui parle? Nous ne laisserons pas dire que la sublime Constantinople a abandonné ses habitants dans le besoin. Ouais. Ah, là, il y a un citoyen sauvé. C'est bon, allez vite. Ouh, joli. Allez, on a sauvé les citoyens. Il nous reste encore un, je crois, à sauver. Ne perdez pas espoir face à cette violence. En unissant nos forces, nous ferons entendre notre voix. Comptez sur moi. J'ai toujours voulu me battre pour servir une cause juste. Voilà. Je crois qu'il nous en reste encore un. C'est ça. J'ai un truc qui s'est affiché 3 sur 13, je sais pas pourquoi, je sais pas ce que c'est. Ah attends, là il y a un truc d'animus. Ok, donc on pourra remonter après. Moindre petit
9 sur 14, génération corsée. J'en ai plus. Et voir combien à combien c'est reconstruit. 46%. On va aller à, on ira à la banque qui est juste là pour voir s'il n'y a pas un truc à faire. Pour voir s'il n'y a pas quelque chose à prendre. Après là, dans tout le. Ah. Il y en a un que j'ai pas fait là. Ouais. Qui j'irai après. C'est après dans tout le coin, on a tout fait. À part en bas. Mais bon, après ça, je ferai point par coin. Là, c'est comme j'ai dit, j'utilise mes sous, je sais ce que j'en ai plus. Après, ouais, quand je retrouve une banque, je ferai la. Quand je ferai la mission ou quoi, ben voilà. Bien, voilà. Du coup, on va y aller. Voilà, les magasins de livres, de livres. Ah, mais j'ai pas pris de potion. J'ai oublié de prendre les potions. Allez, vite. J'ai plus de voilà. Article. J'ai plus de romaine. Et j'ai plus de poison non plus. Voilà, comme ça, non, on est tranquille. Et 10 000, il reste. Même pas, il reste 1900. Bon, il reste 1900, à peine. Il y avait un truc là-haut. Ah, exprès. J'ai vu. Bah. Ah, c'est. Il y a déjà un groupe d'assassins qui est déjà revenu. Il m'en reste plus beaucoup à faire. Sur 22. Allez, il reste plus que 2 points d'observation et on les a finis. Du coup, c'est dans quelle direction qu'il faut aller? Attends, il y a un truc de. Ah bah attends, on va prendre ça. Il y a un truc de livre. C'est la même direction que. Ok, de toute façon, c'est la même direction que pour aller faire la quête principale. Donc autant continuer à faire les livres. Et je suis là. Donc là, il y a un livre juste ici. Donc on va prendre. Le chercher. Quel homme excentrique. Ça, alors, faut le faire. Donc c'est tout là-haut qu'il faut aller. Ah vache. Il faut aller tout là-haut, frère. Ok, c'est bon, je vois. Ah, ça y est. Un mission assassiné, un fournisseur, ok. Oh. Attends, alors là déjà, il y a un truc de Ninus. Je les prends même si je sais que j'ai pas tous les feux, 13% en fait. Ouais, j'avais pas le courage. Franchement, il y en a qui le font. Il y en a qui ont le courage de le faire et je retire mon chapeau. Parce que honnêtement, moi j'ai pas le. J'ai pas le courage pour le faire. Hein. Thank you.
croyais pas. Désolé. Je croyais pas que j'allais pouvoir y arriver. Symbole polo aqueduc. Localiser les symboles de polo et débloquer un placement de livre. C'est là-bas. Retrouver le livre. Et hop. Mais ça, je me rappelle même pas que ça a été dans la version originale. Après, de toute façon, je peux très bien me tromper. Hein. C'est, je crois que j'ai tous mes instincts qui sont déjà qui sont de retour. Les affaires. Vas-y, tu l'as pas vu. Voilà, ça c'est fait. Est-ce qu'il y a autre chose dans le coin? Tout en allant vers la quête principale. Si je vais vers la quête principale, donc c'est par là. Donc là déjà, il n'y a rien d'autre à faire. Mais par contre, là-haut... Je vais faire lui là déjà. Comme ça on est tranquille après. Voilà, ça. Mais qu'est-ce qu'il fait? C'est de l'escalade, monsieur dame. Alors, c'est par où? J'en ai marre de payer les... J'en ai marre de les payer eux. Soit j'ai dans un endroit, il faut les payer. Ça alors, c'est étrange. Voilà. Quel homme étrange. Il a vu ou quoi? Ok, c'est bon. Allez. C'est là-haut. Ce qui est cool, c'est que maintenant, comme il a le crochet, on n'est plus obligé de rappeler son rond pour s'accrocher. Hop là, voilà. Ok. La vache, ah, c'était un gros truc. C'est juste à côté. Il monte, voilà. Mission, ah, mission maître assassin. Ok, alors on va faire ça, parce que je sais pas ce que c'est. En même temps, je gagne du temps. En même temps, j'essaie de gagner le plus d'argent possible. Là, je vois pas ce que c'est. Mission maître assassin. Enfin, des fois, tu redécouvres le jeu, quoi. Ça fait plusieurs... C'est bon. Ça fait plusieurs années que j'ai pas joué à ce jeu. Voire même peut-être une décennie. Mais encore non, quoi que non. Je dis une connerie parce qu'il a dû sortir en 2011, le jeu. Allez-vous-en. C'est intéressant, mais... Pourquoi?
Il a perdu la tête. Ok, mon maître assassin qui doit partir. Ah, cool. Comme ça, on peut. Comme ça, je vais pouvoir récupérer des sous. Félicitez l'assassin à promouvoir chef d'un. Ah! Bah, y'en a plein. Comment voulez-vous vraiment faire cet assassin le chef de son père? Oui. Mentor, j'ai entendu des rumeurs troublantes. Je t'écoute. Nous avons des raisons de croire qu'un diacre orthodoxe défroqué a l'intention de tuer le patriarche de Constantinople. Et tu connais l'identité de ce diacre? Pas encore. Nous n'avons que peu d'indices. Il faut découvrir son nom. Notre cause n'en ressortira pas grandie si nous éliminons tous les diacres entre Bursa et Belgrado. Viens-y, essayons ensemble d'en apprendre davantage. Oui, mais attends, le but c'est que je voulais d'abord récupérer les sous. Quel est ton plan, mentor? La communauté orthodoxe de cette ville est trop petite pour cacher de grands secrets. Allons interroger les membres du clergé, quitte à les forcer à nous répondre. Merde. En fait, je me suis trompé de douche. Ah, génial. Tu vas mourir. Il est chiant, lui, éliminé. Allons-y. Ne restez pas là. Que Dieu me protège. Il ne faut pas rester là. J'ai pas vu les traces. Tu me repères. On raconte que le patriarche va être attaqué par un diacre défroqué. Que savez-vous à ce sujet? Ah oui, nous avons entendu ces rumeurs. Et l'homme qui les propage s'appelle Cyril de Rhodes. Le patriarche l'a banni pour tous les méfaits qu'il a commis. Il l'a même frappé d'anathème. D'accord. Si vous le croisez en ville, c'est sûrement qu'il est revenu pour se venger. Je sais. Alors, qu'as-tu appris? En route, notre cible est Cyril de Rhodes, un diacre excommunié. Oups, on va éviter de sortir par là. Ah, il est en haut. Patience, il y a de nombreux hommes d'église ici. Je sais quoi faire, mentor. Si une occasion de l'éliminer se présente, je ne la manquerai pas. Ok. On tue votre cible. Le voilà. C'est bon. Non, ce n'est pas notre cible. Imbécile, tu as tué un innocent. J'ai commis une terrible erreur. Pardonne-moi. D'autres que moi ne te le pardonneront jamais. Et ils auront raison. Emmène son cadavre jusqu'au rivage.
C'est un fardeau que tu dois porter seul. Est-ce que tu rattraperas un disque à destination? Oh là là. Je crois que c'était un truc qu'elle devait porter seul. Même là, j'ai des boulets. Génial. Ok, on va passer par là. Oh, génial, allez. Attrapez-le ! Allons-y. Là, au secours ! Tiens, les bugués. Reste avec moi. Non, je ne veux pas mourir. Non, je ne veux pas se mêler à ça. Je n'ai rien à voir. Ah, j'ai encore une autre personne qui a été assignée à un assassin. Et ouais, ça non plus, j'avais jamais fait parce que j'avais pas avancé jusque là pour avec mes initiés et mes apprentis quoi. Confie le corps de cet infortuné à la mère, puis médite sur ton erreur. Oui, mentor. Puis cette honte ne jamais me quitter. Voilà, ben c'est aux oubliettes. Bon. Alors, cette fois-ci, chose que je vais faire en premier, c'est d'aller prendre des sous d'abord. Je suis l'impitoyable sultan de ce quartier. Qu'est-ce que vous faites? Oh, attends. Vous avez vu? Ce quartier m'appartient à présent. Si tu n'es pas d'accord avec ça, voilà, alors. Tu te caches sous ton capuchon. Mais pourquoi a-t-il dégainé son épée? Ouais. Vous Ah, lâche! Vous vous emmêlez, vous le regretterez. Et voilà. J'ai réglé son compte. Ah, c'est là. 3000! 100 000. Et là? Ça va. C'est moins cher. Et je voulais faire réparer mon armure et tout, j'ai en profité. Cool. Ah, ça fait plus de 2 minutes. Donc normalement on pourrait avoir accès à la banque. Elle a combien la banque hein? Parce que je passe devant une banque. Eh, 5000, c'est bon. Je les ai pas essayé. Éliminez rapidement. Les citoyens doivent pouvoir à nouveau marcher dans les rues sans crainte. Ouais. Encore un de ces bandits. Bon. Non, arrêtez. Je n'ai rien fait. Voilà, ensuite on peut tourner. Allez, mais je les vois pas arriver. Ah, j'ai 31 525 dans le coffre. C'est cool ça. À moins de mieux. Ouais, la caméra. Mais je confirme, sans la lumière, il fait beaucoup moins chaud. Alors attends. attends.
ça c'est un deuxième rang. Et là, c'est encore un, ouais. L'assassin doit atteindre le niveau 10 avant de pouvoir être assigné à un repère. Il pourra ensuite s'entraîner pour devenir maître assassin. J'en ai 2. Ah, ou j'en ai 3 même. Ok. Mais ceux qui sont au niveau 10, on va leur laisser. 35, c'est bon. Si j'essaie de tout faire. Attends, on regarde. Hop. Eh, je peux y aller. T'en faire face un peu à chacun, ce sera cool. Dix minutes. Pour conquérir la vie, ok. C'est pas vrai. On va mettre lui. On a ce repère. Remporter la course contre notre apprenti. Ok. Mentor, on raconte que tu es toujours aussi fort et rapide qu'un homme de 20 ans. J'essaie de me maintenir en forme. Si nous faisions la course, je manque un peu d'exercice. Par devant, je te suis. Putain, je ferais n'importe quoi pour qu'on les remarque. Attends, je me suis trompé. C'est ici maintenant. Voilà. Ce templier manigance quelque chose. Nous devrions le suivre. C'est ce que le personnage va vous faire repérer. Ah, ok. Ça va être étrange au côté de votre apprenti. Ne le laisse pas s'enfuir. Arrêtez-le. Allez. Mentor, retenez ceci. Ça doit appartenir au vizir qui l'a dévalisé. Occupe-toi de son corps. Je vais rapporter ce document. Il est mort les bras, on croit. Ouais, non, pas les bras, on croit, mais les bras écartés. Bon, alors celle-là, ça a été plus un peu. L'autre, elle était vraiment pas douée. Je crois que ceci vous appartient. Ah, vous m'avez épargné une terrible humiliation devant la sublime porte. Merci.
Effendim. Et voici donc le jeune assassin qui vous a aidé. Passez une bonne journée. Ah. Rapporter la course contre votre apprenti. Je pensais que c'est ça au départ. Le vizir, première partie. Ok. Et les premiers au rang de assassin, deuxième rang. Il n'a plus de mission assassin. Bon. Est-ce que j'ai des choses à faire réparer ici? À faire réparer. Aller acheter. Non. On n'a plus rien pour l'instant, donc on peut aller droit devant. En même temps, j'irai à la banque et j'irai refaire mon armure. Parce que j'ai tout qui est pété. Oh. Il est un peu vieux pour sauter partout. Allez, monte. Vite. Si seulement. Il a sûrement ses raisons. Il est un peu vieux pour sauter partout. J'ai du salpêtre et du souffle pour en finir avec les nains. Ça, je suis vraiment très mal au point. Aïe, une banque, cool. Ah, retirer ça. Une affaire rondement menée. Là. C'est, je crois que j'ai besoin de... Qu'est-ce qui vous prend? Il se déplace comme un chien. Je peux pas arrêter. Captain, mais qu'est-ce qui vous prend? Allez, mais monte. Mais pourquoi il veut pas monter? Oh, Tartuffe. Hop là. Alors, on va déjà tout réparer. Voilà, on va prendre tes nouvelles armures, donc les épaulières, le passeron. On va prendre l'arbalète. Puis je crois que ce sera tout. Voilà. Vous serez satisfait, je vous le garantis. Maintenant, du coup, je peux aller faire mon ultime truc de citoyen. On doit mourir. Il a l'air de retourner. C'est la règle. Il faut partir d'ici. Par vous, moi. Ah, là, c'est bon. Là, c'est bon. Allez. C'est bon. Allez. Là, c'est un coup. C'est bon. Il ne doit pas nous échapper. Et voilà. Ne te bats pas seulement pour survivre, Arkadashim. Défends une juste cause. Si je peux aider les autres comme tu m'as aidé, je le ferai de tout cœur. Et voilà. Donc du coup, on va pouvoir faire la quête principale maintenant. Curieuse nouvelle. L'armée a déjà découvert l'emplacement de l'armée des Templiers, mais il a tué un innocent au cours de son enquête. Racontez cette tragédie à Suleiman. Ah, du coup, c'est passé un peu de journée. Je l'ai perdu de vue. Je crois que je l'ai déjà vu. Hey, un instant. Il est plutôt bizarre. Il a disparu.
Ça va me faire opérer, non mais vas-y. Ouais mais c'est relou ça. Première mort. Ah bah attends, on va... Je l'avais pas vu. Viens. On a pris le romanisme pour avancer. J'ai perdu 2. Il me reste 55 mètres à parcourir. Ça va être un peu difficile. Alors attends, non, on va éviter ces deux-là déjà. Et là-bas. C'est bon, j'ai évité les deux qu'il fallait que j'évite, c'est bon. Je peux parler à Suleiman. Tariq n'était pas un traître, Suleiman. Lui aussi traquait les Byzantins. Pardon ? Et tu l'as ? Je suis désolé. Dieu me pardonne. Je n'aurais pas dû le juger aussi vite. Il fut loyal à ton grand-père jusqu'à la mort. Grâce à son courage, nous avons une chance de sauver ta ville. Oh, Tariq, pourquoi s'entourer à ce point de mystère ? Quelle triste manière d'accomplir un tel acte. Les armes sont en Cappadoce. Peux-tu m'aider à m'y rendre ? Oui, bien sûr. Je vais faire affréter un navire pour... Suleiman ! Suleiman ! On m'a tendu un piège, pour que je passe pour un traître. Tu te souviens de Tariq le janissaire ? L'homme avec qui tu t'es querellé ? Il a été assassiné. Tout le monde était au fait de notre discorde. Les janissaires m'accuseront fatalement de ce crime. Quelle terrible nouvelle, mon oncle. Mon père en sera informé. Il me fera bannir de la ville. Ah ! Pardonne mon intrusion. J'ignorais que tu avais de la visite. C'est Marcello, l'un de mes conseillers européens à Kefe. Buonasera. Marcello, je dois m'entretenir d'affaires privées avec mon neveu. Allez-y, je mettrai un bateau à votre disposition pour votre périple. Grazie, mio principe. Nous traquerons le responsable de ce méfait, mon oncle. Soyez patient. Et nous. Attendez, j'ai à vous parler. Cet homme, je le connais. Malédiction. Oh. Ah, mais non, mais vas-y. Ah, mais je me fais repérer de suite après la scène, la cutscene. Laissez-moi le temps de récupérer un groupe quand même. Bon sang. Non, mais c'est vrai quoi. Marché conclu. Après toi. Là, on va descendre par là. Non mais c'est franchement ça c'est relou quoi. J'ai même pas le temps de récupérer un groupe. Hein. Je suis grillé de suite. On peut descendre par là. Allez. Ah,
Un instant. Allez. Il me reste à faire parce que là j'ai plus d'objectif là, principal. C'est quoi? C'est là j'ai un truc de templier, là j'ai un truc de templier, un truc d'assassin, mais je sais même pas où je dois aller. Ah là, souvenir le sorcier. Ok, bah on va aller par là, on va voir ce qu'on a, si on a quelque chose. Non, on a rien à faire sur la route. Eh ben on y va, faire les économies un peu. Je crois qu'on est à la fin d'une la séquence de mémoire, je crois. Il serait temps d'apprendre ce que j'ai fait. Tu sais, il ne reste plus que la séquence souvenir de Sophia, c'est ça, hein? Normalement, quand c'est souvenir Sophia, ça veut dire que c'est pour trouver un livre de Marco Polo qui indique le lieu de la clé. Je sais pas ce que je ferai quand on aura fini l'histoire. On continuera le jeu. Parce qu'habituellement, vous savez, quand je finis l'histoire, je m'arrête. Et on continuera le jeu juste pour débloquer les livres. Et pour tout débloquer, tout acheter, tout ça. Après, voilà, une fois que c'est fait, c'est fait. On fera pas tout ce qui est carte trésor. Le poème te plaît? Qui étaient ces hommes condamnés à l'enfer? Des opposants. Des ennemis politiques. La plume de Dante est acérée comme une lame, non? Si. C'est une habile manière de se venger. Ezio. Je dois me rendre à Adrianopoli d'ici quelques semaines pour visiter une nouvelle imprimerie. Tu vas t'y amuser. Je crois que c'est à 5 ou 6 jours d'ici. Et il me faudra une escorte. Prego. Oh, pardonne-moi, tu es déjà bien occupé. Sophia, je serais ravi de t'accompagner, mais mon temps est compté. C'est notre lot à tous. Il est marqué quand même, Ezio, tu le vois. Je peux essayer de déchiffrer ce dernier code, mais j'ai une course à faire avant la nuit. Peux-tu attendre demain ? Que dois-tu acheter? C'est idiot, mais un bouquet de fleurs fraîches. Des tulipes blanches, pour être exact. Ah oui, j'irai chercher tes fleurs. Laisse le problème. Tu en es sûr? Oui, ça me changera les idées. Bene, retrouve-moi dans le parc à l'est de l'Aya Sophia. Nous troquerons fleurs contre information. Il y a la tension sexuelle dans l'air. Il y a la tension sexuelle dans l'air. Pardon. Excusez-moi, je m'égare un tout petit peu. Acheter des tulipes. Allez chez le fleuriste, ouais, et acheter des tulipes pour Sophia. Moi qui voulais pas dépenser de sous, j'ai fait un peu mon râler. C'est pas le. Je crois qu'on les achète même pas, il me semble qu'on les cueille ou un truc comme ça à un moment donné. L'un des commandants d'élite, Tarissi Barletti. Vous pouvez me dire à quoi vous jouez? Voilà. Je ne comprends pas ce qui
cherche à faire. Il a... Un homme avec de l'argent plein les poches. Qu'est-ce que ce sera, mon ami ? Des tulipes, blanches, si possible. Ah, des tulipes. Pardonnez-moi, mais je n'en ai plus. Autre chose, peut-être. J'ai eu des instructions très précises. Écoutez-moi. Je sais où trouver des tulipes fraîches. Attendez-moi ici. Je reviendrai dans une heure. Deux, tout au plus. Je ne vais pas attendre une heure. Ouais, mais ça me semblait. Prenez le fleuriste en filature pour savoir d'où proviennent ces fleurs. Ce qu'on a, tu t'arrives. Ma mère a organisé mon mariage avec la famille. Oui. Personne ne l'a vu. Elle n'a pas quitté la maison depuis 10 ans. J'espère qu'elle n'est pas trop grasse. Venez, approchez. Il n'est jamais trop tard pour prendre. Est-ce qu'on a fini de faire tracer ? Enfin, collecter les taxes des marchands dans le quartier nord. Je crois me souvenir que plusieurs d'entre eux étaient un peu réticents. Ici, vous trouverez tout ce qu'il vous faut. Des traitements traditionnels et des consuls toutes fraîches. Ma mère a organisé mon mariage. Ma mère a organisé mon mariage. Vous croyez pouvoir me voler aussi facilement ? Tiens ! Qu'est-ce que... Misérable ! Bon. Ça suffit. Mais pourquoi je me suis... Mais je me suis fait repérer par quoi ? Je me suis trompé, je voulais pas sortir l'épée, moi. Aïe. Je voulais pas sortir l'épée. Je voulais faire sortir mes points et je me suis trompé de touche. Non, on m'a volé mon or. Allez. Non, non. Je tuerai tous ceux qui s'interposent. Laissez-moi vous soigner. Quoi ? N'hésitez pas. Ah, lâche. Non. Il n'ira pas loin. Mais non, mais je... Mais deux fois parce que je me sentais de touche. Je voulais pas, je voulais expirer. Je me suis trompé de touche, en plus j'ai sorti l'arbalète. C'est là, c'est génial. Voilà. Oh non! Non! Attends. Voilà. C'est bon ? C'est bon. Oh, oh, oh ! Excusez-moi. Oh, oh ! C'est terrible de perdre un pied comme ça. Enfin, c'est forcément difficile de perdre un pied. Une infection purulente aussi immonde. Hop là. Pas mal, hein ? Et le sapin vide qu'on a volé. Au secours! Garde! Essayez de vous voler! Ah! Tricheur! Est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire aujourd'hui? Prêtre! Allons embêter le prêteur! C'est bon. Oh, oh, oh. Merci. Non, 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 non! Oh, Dieu, qu'est-ce? Oh, non!
même pas. Approchez, vous mêlez pas de nos affaires. Non, non. Tu crois que le nouveau Bey a l'intention de maintenir... Mais qu'est-ce que... Prévenez-le ! Prévenez la patrouille ! Tu es trafiqué. Ah ! Oh ! Ah, lâche ! Tiens. Suis-tu. Voilà. C'est si mignon. C'est si romantique. Ils sont partis ? Oh, zut. Ok, oui, t'as un combat, allez combattre. Deux, et la dernière. Bon, on va s'arrêter là les amis. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire si ça vous a plu. Le pouce bleu de l'amour. N'hésitez pas à venir nous voir sur YouTube aussi. Si vous n'êtes pas déjà abonné, vous cliquez sur rejoindre, vous tapez KCity ou MyCity. Vous cliquez sur rejoindre plus la cloche pour être au courant des dernières nouveautés. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très rapidement sur YouTube pour la vidéo. Et on se retrouve d'ici quelques secondes pour la 20e partie de pour le 20e épisode de la première saison de Assassin's Creed Révélation. C'était J pour Geeky City, je vous dis à la prochaine. Ciao.